pour les troncs communs modèle atomique. Savoir et savoir-faire. Il faut connaître la constitution d'un atome, connaître un noyau et utiliser sa représentation symbolique, connaître la répartition des électrons autour d'un noyau, caractériser l'élément par un numéro atomique, savoir qu'un élément se conserve au cours des transformations chimiques. La matière est constituée de corpuscules invisibles à cause de leur extrême petitesse, indivisible et éternelle. Maintenant, la matière est constituée de quatre éléments: l'eau, la terre, le feu et l'air. Les modèles atomiques. Introduction. Les philosophes, depuis longtemps, se sont questionnés sur la nature de la matière. 400 ans avant le Christ, Démocrite a considéré que la matière est composée de corpuscules infiniment petits qu'elle a nommés atomes. Elle avait aussi supposé que ces corpuscules sont pleines et peuvent se lier entre eux. Comme les hypothèses précédentes n'étaient pas basées sur des vérités scientifiques, Aristote avait avancé une autre hypothèse qui considère que la matière est divisible à l'infini et qu'elle est constituée de quatre éléments: l'air, l'eau, le feu et la terre. L'hypothèse d'Aristote a survécu durant 20 siècles avant d'être rejetée par Dalton, un scientifique. Ce dernier revenait à l'hypothèse de l'existence des atomes. En 1895, un autre scientifique, William Crookes, a procédé à des expériences qui ont permis l'extraction de corpuscules chargés électriquement. Elle les a nommés rayons cathodiques. En 1897, un autre scientifique, Joseph John Thomson, a découvert que les rayons cathodiques sont des corpuscules chargés négativement, et de là, elle a proposé un nouveau modèle atomique, la matière constituée de charges électriques positives et de charges négatives. En 1909, un autre scientifique a proposé le modèle suivant. L'atome est constitué d'un noyau chargé positivement, des électrons qui tournent autour de ce noyau. Le noyau et les électrons sont séparés par un vide relativement immense. Bon, quelque chose de similaire de système solaire. Le Soleil, c'est le noyau. Les électrons sont les planètes. Tous ces modèles n'ont pas résisté à des analyses scientifiques basées sur les lois de la mécanique classique. Et on a fini par élaborer le modèle actuel considère que la matière est composée d'atomes et que ces atomes sont constitués d'un noyau central chargé positivement, un nuage électronique tournant autour des noyaux, et on ne peut définir ni la trajectoire des électrons ni leur vitesse. L'ensemble noyau électron est séparé par un vide relativement immense. Bon, parmi les lois classiques, on a vu en début d'année l'attraction universelle, donc de masse s'attire. Donc normalement, les électrons
et le noyau vont s'attirer. Autre part, on sait que il y a attraction entre les charges négatives et les charges positives. Donc, de même, les électrons devraient tomber sur le noyau. Bon, deux noyaux, ce sont les protons et les neutrons. Et puis, on a le nuage électronique. Résultat, la matière est constituée d'atomes. L'atome est constitué d'un noyau chargé positivement, entouré par un nuage électronique de charge électrique négative. Le noyau et le nuage électronique sont séparés par un vide relativement immense. Donc, à l'échelle de l'atome, ce vide est immense. Structure de l'atome. Les électrons. Ce sont des corpuscules similaires qu'on symbolise par E-, E à la puissance moins. La masse d'un électron vaut 9,101 10 à la puissance moins 31 kg, donc c'est infiniment petit. L'électron porte une charge négative de valeur moins 1 E, donc l'unité c'est E, la valeur c'est moins 1. Ou bien en unité internationale qui est le C, soit le coulomb, la valeur de la charge est moins 1,6 10 à la puissance moins 19. Bon, E est la valeur absolue de la charge d'un électron. On l'appelle charge élémentaire. Elle est prise comme unité de mesure des charges électriques. Le noyau. Le noyau est composé de deux types de corpuscules, ce qu'on appelle les nucléons, liés entre eux par des forces nucléaires. Les neutrons sont des corpuscules électriquement neutres. La masse d'un neutron est 1,675 10 à la puissance moins 27 kg. Donc les neutrons ne portent pas de charge électrique. Les protons sont des corpuscules de taille proche de celle des neutrons. Un proton porte une charge positive opposée à celle de l'électron. Donc on a vu que la charge d'un électron est moins E, alors que la charge d'un proton c'est plus 1 E. Ou bien 1,6 10 à la puissance moins 19 coulomb. La masse d'un proton est proche de celle d'un neutron, est très supérieure à celle d'un électron. Donc, si on compare la masse des protons et des neutrons, protons et neutrons, on voit que la différence se situe en niveau des troisièmes chiffres après la virgule. Pour le neutron, on a 5, pour le proton, on a 3. Donc les masses sont à peu près égales. La représentation symbolique du noyau d'un atome. Durant la transformation chimique, les noyaux ne sont pas affectés, alors que le nuage électronique se modifie. Donc le noyau d'un élément chimique est une constante
qui caractérise cet élément. Donc, pour différencier les éléments chimiques, on se base sur leur noyau. Le symbole des noyaux doit nous renseigner sur le nombre de protons et de neutrons, sur le nombre d'électrons, ainsi que sur le type d'atome, élément chimique. On symbolise le noyau d'un atome par XZA. A est appelé le nombre de masses. Il représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Z est appelé le nombre de charges. Il représente le nombre de protons. Elle représente aussi le nombre d'électrons pour un atome. X, c'est le symbole de l'élément chimique. Le nombre de neutrons d'un atome est donné par N est égal à moins Z. A, c'est le nombre de nucléons, qui sont les protons et les neutrons, moins Z qui représente le nombre de protons. Application. Complète le tableau suivant. Donc, on commence par le fer. On a comme donné le nombre de masses, 56, donc il a 56 nucléons. Soit le nombre de protons et de neutrons est égal, la somme des nombres de protons et de neutrons est égale à 56. On a 26 électrons. Donc, dans un atome, on sait que le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Donc, pour avoir le nombre de neutrons, on fait la différence. 56 moins 26. Ça nous donne, donc déjà le nombre de charges est égal au nombre de protons. Donc, le nombre de neutrons, c'est A moins Z, donc ça en fait 30. Donc le symbole c'est FE ZA, le Z c'est 26 et le A c'est 56. Pour le chlore, on a le nombre de charges qui est 17 et le nombre de masses qui est 35. Le nombre de charges représente le nombre de protons. 17, qui est égal au nombre d'électrons, 17. Et pour le nombre de neutrons, on fait la différence, 35 moins 17. Ça nous fait 18. Donc le symbole des noyaux de chlore est Cl1735. L'hydrogène. Nombre de masse 1, nombre de charge 1. Nombre de charges est égal au nombre de protons, qui est égal au nombre d'électrons. Le nombre de neutrons, c'est A moins Z, ça fait 0. Et la représentation symbolique, c'est H1,1. Pour le carbone, nombre de masses, 12. Nombre de protons, 6. Donc, nombre de protons est égal au nombre d'électrons est égal au nombre de charges. Le nombre de neutrons, c'est 12 moins 6, ça nous fait 6. Et le symbole, c'est C6,12. L'uranium, 238 comme nombre de masse. Et le nombre de neutrons, c'est 146. Donc, pour déterminer le nombre de protons, on a 238 moins 146. Le nombre total des nucléons moins le nombre de neutrons. Ça nous fait 92. Qui est égal au nombre d'électrons et est égal au nombre de charges. Donc, le symbole, c'est
U 92 238. Neutralité électrique de l'atome. Considérant l'atome d'oxygène dont le symbole nucléaire est O8-16, question 1 détermine le nombre d'électrons, de protons, de neutrons de cet atome. Nombre de particules dans l'atome. Comme Z est égal à 8, A est égal à 16, l'atome d'oxygène possède 8 électrons, 8 électrons et 8 protons. Et pour le nombre de neutrons, on a 16 moins 8, ça nous fait 8 neutrons. Rappelle la valeur de la charge d'un proton et celle d'un électron. Donc le proton a une charge de 1, si on prend comme unité le E. Et l'électron a une charge moins 1. Calcule Q moins la charge électrique de l'ensemble des électrons de cet atome. Donc on a 8 électrons, la charge d'un électron c'est moins 1, donc on a une charge de moins 8E. Pour le proton, on a le même nombre qui est 8. La charge d'un proton, c'est 1. Et ça nous fait la charge des noyaux est égale à 8E. Question 5. Calcule la charge totale de l'ensemble de l'atome d'oxygène. Donc la charge totale, c'est la charge des électrons plus la charge des noyaux. Puisque les neutrons ne portent pas de charge, donc on a Q total est égal à moins 8 plus 8E, ça nous fait 0. Question 6. Pourquoi dit-on que l'atome est électriquement neutre? La charge positive des noyaux équilibre la charge négative des électrons. Donc c'est pour ça. L'effet de l'un s'annule par l'effet de l'autre. Donc on dit que l'atome est électriquement neutre. Comment calcule-t-on la charge d'un atome dont le noyau a pour symbole XZA? Donc les particules chargées sont les électrons et les protons. On a Z fois la charge élémentaire qui est E, et de même de l'autre côté on a Z moins 1 E. Résultat, un atome est électriquement neutre car la charge de son noyau est égale à l'opposé de la somme des charges de ses électrons. Soit on a Q plus est égal à moins Q moins, ou la somme des deux fait 0. Application. La charge du noyau d'un atome X est égal à Q plus est égal à 1,12 10 à la puissance moins 18 coulomb. Calcul en unité élémentaire la charge des noyaux de cet atome. Donc on sait que 1E est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19. On doit sortir l'expression de l'unité C. Donc 1C, on l'a déduit de ça, est égal à 1 sur, etc., est égal à 1 sur 1,6 10 à la puissance 19 E. Et on remplace. Il suffit de remplacer de 1C là par ça, qui nous fait une charge égale à 7 E. Déduit en unité élémentaire la charge des nuages électroniques de cet atome.
Comme l'atome est électriquement neutre, on a Q- est égal à moins Q plus est égal à moins 7E. Déduire la nature de l'élément chimique auquel appartient cet atome. Donc le Z caractérise les éléments chimiques. Donc on sait que Q plus est égal à Z fois E. Donc le Z vaut 7. En cherchant sur le tableau périodique, on constate que le Z correspond à l'azote. Donc je rappelle, le Z caractérise l'élément chimique. On l'appelle nombre de charges, mais on l'appelle aussi numéro atomique. Calcul de la masse d'un atome. Considérons l'atome de soufre, dont le symbole nucléaire est S1632. Déterminer la composition de cet atome, nombre de protons, d'électrons, de neutrons. Donc Z, c'est le nombre de protons et d'électrons. La différence entre les deux, nous donne le nombre de neutrons. Donc l'atome a 16 protons, 16 électrons et 16 neutrons. Rappelle la valeur des masses d'un proton, d'un électron et d'un neutron. Donc c'est un rappel, on les rappelle rapidement. Les valeurs sont là. Calcule Mn, la masse des noyaux de l'atome de soufre. Donc le noyau possède 16 protons et 16 neutrons. Donc la masse des noyaux est égal au nombre de protons multiplié par la masse d'un proton plus le nombre de neutrons multiplié par la masse d'un neutron. On remplace. Donc on a le 16 et le 10 à la puissance moins 27 comme facteurs communs. Donc on les sort. Donc on a 16 facteurs de 1,673 plus 1,675 facteur de 10 à la puissance moins 27. Donc ça c'est pour faciliter le calcul. Donc ça nous fait une masse est égale à 5,36 10 à la puissance moins 26 kg. Question 4. Calcule ME, la masse de l'ensemble des électrons de l'atome de soufre. Donc on fait la même chose, on a 16 électrons et on multiplie par la masse d'un électron. Ça nous fait ME est égal à 1,46 10 à la puissance moins 29. Donc on constate déjà que la masse du noyau est 1000 fois supérieure à la masse des électrons. Question 5. Par application de la loi de conservation de la masse, déduit MA, la masse de l'atome de soufre. Donc la masse totale, c'est la somme des deux masses. On remplace. Donc j'ai mis un facteur 10 à la puissance moins 26 pour faciliter le calcul. Donc on a un facteur 10 à la puissance moins 26. Donc on aura 5,36 plus 0,0146 facteur de 10 à la puissance moins 26. Et ça nous fait 5,36 10 à la puissance moins 26 kg. Question 6. Compare MA et MN. Que déduire de cette comparaison? Donc MA est égal, j'ai repris des chiffres après la virgule, 5 chiffres après la virgule. Donc la masse de l'atome c'est 5
36, 146. La masse des noyaux, c'est 3, 5. Donc déjà, on a une différence au niveau des deuxièmes chiffres après la virgule. Mais les masses sont à peu près égales. Si on prend deux chiffres après la virgule, on a 5, 36 dans les deux cas. En éliminant 68, on doit ajouter un 6, donc on aura 36. Là, en éliminant les trois chiffres, là, 146, on aura 536. Donc, MA est à peu près égal à MN. Donc, que déduire de cette comparaison? La majorité de la masse d'un atome se trouve dans son noyau. Donc, la masse des électrons est négligeable. Question 7. Démontre qu'on peut calculer une valeur approximative de la masse d'un atome par l'application de la relation MA est égal à 1 fois 1,67 10 à la puissance moins 27. En prenant MP est à peu près égal à MN, est égal à M nucléon, est égal à 1,67 10 à la puissance moins 27. Donc on a MP est à peu près égal à MN est égal à M nucléon. Et la majorité de la masse de l'atome se trouve dans son noyau. On a MA est à peu près égal à MN est égal à Z fois M nucléon plus A moins Z fois M nucléon. Donc on revient à l'expression précédente qu'on a utilisée au départ. Soit en factorisant avec M nucléon, on aura Z plus A moins Z, ce qui nous laisse en fin de compte MA est égal à A fois M nucléon. Donc c'est cette relation qu'on utilise pour un calcul rapide et approximatif de la masse d'un atome. Pour le calcul de la masse MA d'un atome, on applique la relation pour un calcul approximatif de la masse d'un atome. On applique la relation, donc qui est simple à retenir, A fois M nucléon. Application. On considère l'atome de fer dont le symbole du noyau est Fe56, 2656. Calcule la masse d'un atome de fer, puis calcule cette même masse en utilisant la méthode approximative. Donc on applique la relation ZMP plus le nombre de neutrons fois la masse d'un neutron plus le nombre d'électrons fois la masse d'un électron. Ça nous fait une masse de 93, 77, 126, 10 à la puissance, moins 27 kg. Par la méthode approximative, on a MFE est égal à A fois M nucléon. Et le calcul nous donne 93, 52, 10 à la puissance, moins 27 kg. Dimension d'un atome. Les études ont montré que l'atome a une symétrie sphérique. L'ordre de grandeur de son rayon est 10 à la puissance 2 pm, picomètre. Un picomètre est égal à 10 à la puissance moins 12 m. Le plus petit rayon d'atome est celui de l'hydrogène, Rh est égal à 53. Et le plus grand est celui du césium RCS égale 270 pm. D'autre part, le noyau d'un atome a aussi une symétrie sphérique.
Et l'ordre de grandeur de son rayon est Rn égale 1 fm. 1 fm est égal 10 à la puissance moins 15 mètres. La comparaison entre le rayon de l'atome et celui de son noyau donne, donc pour faire une comparaison, on calcule le rapport rayon de l'atome sur rayon du noyau est égal 10 à la puissance moins 10 sur 10 à la puissance 15 est égal 10 à la puissance 15, 5. Donc le rayon de l'atome est 100 000 fois supérieur au rayon de son noyau. Donc, d'où le vide relativement immense. Donc, les isotopes. On trouve dans la nature des atomes qui appartiennent au même élément chimique, même nombre Z, mais qui diffèrent par leur nombre de neutrons, nombre de masses A. Exemple, on a le même élément chimique qui est le carbone. Ils ont le même numéro atomique Z, mais le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons, différent. Les isotopes sont des atomes qui appartiennent au même élément chimique, ont le même nombre de charges Z, mais diffèrent par le nombre de neutrons, n'ont pas le même nombre de masses. Donc les trois atomes ou les trois noyaux ont le même Z, mais des A différents. Et appartiennent au même élément chimique X. Donc, il faut retenir la définition de l'isotope. Les ions. Définition. Les ions sont des atomes ou des groupements d'atomes qui ont perdu ou gagné des électrons. On a dit que le noyau durant les réactions chimiques n'est pas affecté. Mais le nombre d'électrons peut changer. En changeant, elle donne ce qu'on appelle un ion. On appelle cation un atome ou un groupement d'atomes qui a perdu au moins un électron. Donc l'atome peut perdre ou gagner des électrons. S'il perd des électrons, on l'appelle cation. S'il gagne des électrons, on l'appelle anion. On a des exemples là. Là, on a une perte d'électrons, gain d'électrons et une perte d'électrons. Donc, on a un atome avec un électron. Elle perd son électron, elle devient ion. Un autre atome va gagner cet électron, elle devient à son tour un ion. Donc, l'un perd, l'autre gagne et les deux deviennent des ions. Résultat. L'ion est un atome ou un groupement d'atomes qui a gagné ou qui a perdu au moins un électron. On a le cation et l'anion. Le symbole d'un ion se compose de symbole de l'élément chimique et le nombre d'électrons perdus ou gagnés et le signe de la charge. Donc, le signe indique si l'atome a perdu ou a gagné des électrons. Donc le symbole sera sous la forme de Xn plus ou Ym moins. Composé ionique. Les composés ioniques sont formés grâce à des liaisons dues aux attractions électriques entre des cations et des anions. Donc on sait qu'il y a attraction électrique entre les charges positives et les charges négatives. Les cations ont des charges positives, les anions ont des charges négatives, donc elles s'attirent. En s'attirant, elles vont former
un composé ionique. Exemple, NaCl. Donc, elle est constituée des cations Na+ et de l'anion Cl-. KMnO4, permanganate de potassium, formé de l'ion potassium K+ et de l'ion permanganate MnO4-. Bichromate de potassium est formé des ions K+ et des ions chromates, dichromates. Le nom d'un composé ionique commence par le nom de son anion suivi par le nom de son cation. Donc là, l'anion c'est Cl, le cation c'est Na. Donc on a chlorure de sodium, permanganate de potassium, bichromate de potassium. Donc on voit que la formule commence avec le cation, mais le nom commence avec l'anion. Les composés ioniques sont électriquement neutres. Donc, on a dit que le composé ionique se forme à partir de cations et d'anions, mais l'ensemble des charges doit être égal à zéro. Par exemple, là, le dichromate a deux charges moins et on a besoin de deux charges plus. Donc, d'où le K2. Donc le composé est neutre. De même là, charge moins, charge plus, composé neutre. Charge plus, charge moins, composé neutre. Charge d'un ion. L'atome de soufre a pour symbole nucléaire S16-32 et peut donner l'ion S2-. Comment s'est formé l'ion soufre à partir de l'atome de soufre? Elle porte deux charges négatives. Donc, elle a gagné deux charges négatives. Soit, elle a gagné deux électrons. Calcul de la charge électrique Q- de l'ensemble des électrons de cet ion. Donc, l'atome a 16 électrons et elle a gagné 2 électrons, ce qui fait aux ions 18 électrons. Donc, la charge de l'ensemble des électrons de l'ion, c'est 18 fois moins E, qui est la charge d'un électron. Ça ne fait moins 18 E. Calcule la charge Q plus des noyaux. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est Z fois E. Calcule la charge électrique Q de cet ion. Donc la charge, c'est la somme des deux charges, positive et négative, ça nous fait moins 2E. L'ion cuivre se forme à partir de l'atome de cuivre du symbole Cu, par paire de deux électrons. Propose un symbole de l'ion cuivre. Donc l'atome paire, donc il aura une charge positive, donc déjà la charge est plus 2 électrons, donc on aura Cu2+. La charge d'un ion de type X, N+, est égale à, donc on prend le signe, le nombre, et on ajoute le E. Pour convertir en unité internationale, on multiplie par
on remplace le E par 1,6 10 à la puissance moins 19. De même pour le lion, l'agnon. Masse d'un ion. On considère l'atome de soufre de symbole nucléaire, etc. Bon, je vous laisse faire cette activité. C'est à peu près la même chose que les précédentes. Voici les questions. Et je vous donne les réponses. Donc la masse de l'ion est à peu près égale à la masse de l'atome d'origine. Conservation de l'élément chimique. Lors d'une synthèse chimique ou réaction chimique, les atomes se lient entre eux. On se demande si la structure de l'atome change. Donc les atomes se lient entre eux. Est-ce que durant les transformations, la nature de l'atome change? C'est-à-dire on passe d'un atome d'un élément chimique à un autre. Par exemple, on passe du cuivre au fer. Donc, on va étudier le cas du cuivre. Expérience 1. On verse sur du cuivre Cu une solution d'acide nitrique. Observation, la solution incolore de départ qui est une solution d'acide nitrique prend une coloration bleue. Et on a observé aussi un dégagement de gaz. Au départ, il est incolore, on ne l'a pas vu sur la vidéo. Et au contact de l'air, elle prend une couleur brune ou rousse. Question 1. Que signifie l'ensemble des changements apparaissant lors de cette opération? L'ensemble des modifications indique qu'il y a une transformation chimique.
ou une réaction chimique. Donc, on a au moins vu l'apparition d'une nouvelle substance chimique qui est le gaz. Donc, il y a une réaction chimique, en plus des changements de couleur de la solution, etc. Donc, tout ça indique qu'il y a réaction chimique. L'apparition de la couleur bleue est due à la présence des ions cuivre 2, Cl+. Quelle transformation a subi l'atome de cuivre pour donner l'ion cuivre 2? L'atome de cuivre a perdu 2 électrons. Donc pour passer de Cu à Cl+, l'atome a perdu 2 électrons. On a l'atome de cuivre qui donne Cl+, plus 2 électrons. Le noyau de l'atome de cuivre a-t-il subi une quelconque modification? Seule la couche électronique a subi une modification, le noyau n'a pas été affecté. Donc, la seule modification qu'a subi l'atome, c'est la perte de 2 électrons. Le noyau n'a pas été affecté par cette transformation chimique. Remarque, le gaz apparaissant lors de cette transformation est le monoxyde d'azote, au départ qui est incolore, mais en contact de l'air, elle devient roux parce qu'elle passe à une autre substance qui est le dioxyde d'azote. Les deux gaz sont nocifs, d'où on la nécessité de travailler sous haute pour que les gaz soient dégagés vers l'extérieur. Résultat, par transformation chimique, le nombre d'électrons d'un atome peut changer. Donc on peut modifier le nombre d'électrons d'un atome par une simple réaction chimique. Ou bien on aura une perte d'électrons, ou même un gain d'électrons. Et dans les deux cas, on aura ou bien un cation ou un anion. Lors d'une transformation chimique, le noyau électronique de l'atome subit des modifications, mais son noyau reste intact. Expérience 2. Donc, on a obtenu tout à l'heure une solution bleue en fin de réaction. Donc, on va prendre cette solution bleue de l'expérience précédente et on va ajouter de la soude ou hydroxyde de sodium, solution d'hydroxyde de sodium. Voici des pictogrammes pour votre question 2. Donc, entre les comprendre
Donc, on observe la formation d'un précipité bleu formé d'hydroxyde de cuivre 2, CuOH deux fois. Et la solution bleue devient incolore. Activité, rappelle le nom et le symbole de l'élément chimique qui donnait la couleur bleue à la solution initiale. Bon, c'est l'ion cuivre C2+. Deux, comment s'est formé l'hydroxyde de cuivre 2? Donc, on a un cation qui porte une charge positive, un anion qui porte une charge négative, donc il s'attire. Et on a, pour la conservation de charge, on a 2+ et un seul moins. Donc, on a besoin de 2OH-. C2+ plus 2OH- nous donne CuOH deux fois. Le noyau de cuivre a-t-il été affecté? Bien sûr, il n'a pas été affecté puisqu'il y a attraction entre les deux ions uniquement. Résultat, par réaction chimique, on peut former un groupement d'atomes, molécules ou composés ioniques à partir d'atomes ou d'ions ou groupements d'atomes. Donc, par réaction chimique, on peut former un nouveau groupe d'atomes par exemple là, on a grouper les ions OH- et les ions cuivre pour former un nouveau solide qui est l'hydroxyde de cuivre 2. Expérience 3. Donc on a obtenu de l'hydroxyde de cuivre qui est un solide. On va le filtrer, puis on va le chauffer. On appelle cette opération une pyrolyse. Donc, on chauffe une seule substance chimique. Donc, on voit que la couleur bleue disparaît, la couleur de l'hydroxyde de cuivre, et une couleur noire apparaît. C'est de l'oxyde de cuivre. Voilà. À peu près la disparition de la couleur bleue. Bon, en fin de compte, on n'aura que des noirs. Interprétation, l'hydroxyde de cuivre 2. C2+ est transformé en oxyde de cuivre Cu. Résultat, par simple pyrolyse, on peut dissocier un groupement d'atomes, former de nouveaux groupements d'atomes. Donc, on a dissocié le CuOH et on a formé de nouveaux groupements d'atomes qui est l'oxyde de cuivre et de l'eau. Donc, on ne l'a pas vu sur l'expérience, mais une vapeur d'eau se forme lors de la réaction chimique. Donc, dissociation et formation de nouveaux groupements d'atomes. Expérience 4.
Donc, on a obtenu de l'oxyde de cuivre, Cu. Donc, on a un enchaînement de réactions et chaque fois, on prend le produit de la réaction et on lui fait subir une nouvelle transformation chimique. Donc, le produit de la troisième réaction, c'était de l'oxyde de cuivre. Donc, on va prendre cet oxyde de cuivre, on va lui ajouter du carbone et on va chauffer. Donc, on a mélangé de l'oxyde de carbone et du carbone. On va, à l'aide d'un entonnoir, on va les mettre dans un tube à essai. Donc, on a le mélange carbone, oxyde de cuivre. Les deux sont noirs. Là, on a de l'eau chaude. Donc, on relie le tube contenant les réactifs au tube contenant l'eau de chaud. Et on chauffe les réactifs. Donc on observe dans l'autre tube un dégagement gazeux. Bon, c'est secondaire pour notre expérience. L'eau de chaud se trouble à cause de la formation des nouvelles substances qui est l'oxyde de calcium. Donc, le fait que l'eau de chaud se trouble, ça indique la formation de CO2. Donc, on enlève le tube parce que on peut avoir un retour d'eau dans le tube qui entraînera sa cassure. Donc on continue de chauffer parce qu'on n'a pas besoin de mettre en évidence le CO2 maintenant. On sait que c'est formé. Donc, on observe qu'il y a formation d'un solide rouge. On va attendre un peu pour que ça refroidisse. Bon, c'est pas très visible, mais on peut observer qu'il y a une formation d'un solide rouge. Bon, là, par exemple, on voit qu'il y a des rouges avec le noir. Donc, pourquoi on a du noir? Parce qu'il y a toujours des réactifs en présence. On a mis trop de réactifs. Donc, rappelez-vous de ça, il faut, pour que les réactifs disparaissent, il faut que le mélange initial soit stoichiométrique. Bon, activité 7. Quelle est la nature des solides rouges apparaissant lors de cette transformation chimique? En analysant les éléments chimiques en présence, le solide rouge ne peut être que des cuivres.
Donc, on avait quoi comme substance chimique de départ? On avait le CO plus le carbone. Le carbone et l'oxygène ont donné le CO2, donc il nous reste le Cu. Écris une équation simple montrant la transformation Cb par le dioxyde de carbone, d'oxygène, ou l'oxyde de cuivre plutôt. Donc, on avait CuO plus carbone, on a chauffé, et s'est formé le CO2 parce que l'eau de chaud est devenue trouble, et le solide rouge, c'est le cuivre. Quel est le rôle joué par le carbone lors de cette transformation? Donc on le voit bien là, le carbone a ôté l'oxygène du cuivre. Résultat, par réaction chimique, on peut dissocier un groupement d'atomes. Donc on avait un groupement d'atomes, on l'a dissocié. On a séparé l'oxygène des cuivres. Conclusion, au départ de l'ensemble des expériences, on avait des cuivres. On lui a ajouté de l'acide nitrique et nous a donné des ions cuivre. À ces ions cuivre, on a ajouté une solution d'hydroxyde de sodium, on a obtenu de l'hydroxyde de cuivre. On a chauffé cet hydroxyde de cuivre et on a obtenu de l'oxyde de cuivre. À cet oxyde de cuivre, on a ajouté du carbone et on a chauffé et on est revenu au point de départ. Donc le cuivre a subi un ensemble de transformations, perte d'électrons, association avec d'autres atomes, et on est revenu au point de départ. Donc malgré les transformations, l'atome de cuivre ne change pas, ne se modifie pas. Il se conserve, l'élément cuivre se conserve. Malgré toutes les transformations qu'a subi l'élément cuivre, on retrouve en fin de série la transformation de l'atome de cuivre. Lors des transformations chimiques, l'élément chimique se conserve, le noyau se conserve, alors que la structure d'émiettage électronique peut changer. Bon, c'est. Le plus important lors d'une réaction chimique, c'est le nuage électronique. Donc, faisons connaissance avec ce nuage électronique. Structure électronique d'un atome, niveau énergétique. Donc, les études ont montré que les électrons d'un atome ne se trouvent pas à la même distance du noyau. Les électrons sont répartis en couches. Les couches électroniques ou ce qu'on appelle aussi niveau énergétique. On symbolise les niveaux électroniques par les lettres K, L, M, N, etc. On suit l'ordre de l'alphabet. Donc après le N, on a le O, le P, etc. La structure électronique d'un atome montre que le nombre de couches et le nombre d'électrons portés par chaque couche. Résultat, les électrons d'un atome sont répartis sur des couches appelées couches électroniques au niveau énergétique de l'atome. Formule électronique d'un atome. Le nombre n d'électrons par niveau énergétique obéit à la règle. N est égal à 2 fois n à la puissance 2.
1 représente le numéro des niveaux énergétiques, soit pour le premier niveau qui est K, 1 est égal à 1, donc on a 2 fois 1 au carré, ce qui nous fait 2. Pour le deuxième niveau, L, n est égal à 2, donc on aura 2 fois 2 au carré, ça nous fait 8. Pour le troisième niveau, n est égal à 3, donc on a 2 fois 3 au carré, ça nous fait 18. Et ainsi de suite. Donc pour le tronc commun, on s'arrête au troisième niveau. Donc on ne va pas chercher plus loin. Au même, on s'arrête au niveau de 18 électrons uniquement. Donc on a le noyau et les couches électroniques. La première couche comporte 2 électrons. La deuxième couche comporte 8 électrons. Et la troisième en possède 18. Exemple. La formule électronique de l'atome d'oxygène est, donc il a 8 électrons. Donc la séparation en donc les deux premiers seront sur la couche K, il nous reste 6 qu'on va mettre sur la couche P, L. Pour le sodium, 11 électrons. Donc 2 sur la couche K, il nous reste 9. On va mettre 8 sur la couche L, il nous reste 1 qu'on mettra sur la couche M. Pour le chlore, des 7 électrons, donc 2 sur K, il nous reste 15. Moins 8 qu'on va mettre sur le L, il nous reste 7. Et les 7, on les met sur le M. Neuf, stabilité des atomes, les excentriques. Les atomes ne restent pas isolés en général. Ils se lient avec d'autres atomes pour former des composés moléculaires ou des composés ioniques. Sauf pour les atomes des gaz rares ou les gaz inertes, ce qu'on appelle les gaz inertes, qu'on trouve sous forme monoatomique. Donc, c'est-à-dire qu'il ne se lie pas à d'autres atomes. Donc, c'est sont les exceptions de la règle. Donc, les atomes de gaz rares sont les exceptions de la règle qui est un atome doit se lier avec d'autres atomes pour être stable. La stabilité en chimie signifie que la substance ou l'atome ne réagit pas, n'entre pas en réaction avec d'autres substances chimiques. Stabilité des gaz rares. Donc pourquoi les gaz rares sont-ils stables? Pourquoi ils ne se lient pas avec d'autres atomes? On va prendre les trois premiers, qui sont l'hélium qui possède 2 électrons, le néon qui possède 10 électrons et l'argon qui en possède 18. Question 1. Dans les formules électroniques des trois atomes, bon, ça fait rien, on le verra après. Donc les formules électroniques, on a pour l'hélium, c'est K2. Pour le néon, c'est K2L8. Donc le son fait 10. Pour l'argon, c'est K2L8. M8. Donc on va lire les questions, après on passe aux solutions puisque ça passe pas automatiquement.
Donc, en comparant les formules électroniques proposent une explication de la stabilité. Question 3. Déduis les deux conditions nécessaires à la stabilité d'un atome. Donc, on passe à la solution. Elle est là. Donc, les formules, l'hélium en K2, le néon K2, L8, et l'argon K2, L8, M8. Donc, en comparant les formules électroniques, on va essayer de chercher le secret de la stabilité des atomes de gaz rare. Donc, déjà pour les deux premiers, les couches externes sont pleines, on dit qu'elles sont saturées. Le maximum d'électrons que peut contenir la couche K, c'est 2. Le maximum d'électrons que peut contenir la couche L, c'est 8. Donc on dit que les couches externes sont saturées. Donc voilà, l'un des secrets, c'est pour que l'atome soit stable, il faut que sa couche externe soit saturée. Mais pour l'argon, la couche n'est pas saturée. La couche M peut contenir jusqu'à 18 électrons. Donc elle n'est pas saturée. Mais la chose qu'elle a en commun avec les néons, c'est que les deux possèdent 8 électrons sur la couche externe. Donc c'est le deuxième secret. Un atome peut être stable si sa couche électronique externe est saturée ou bien elle contient 8 électrons. Donc les conditions de stabilité, je viens de les dire, ou bien couche externe saturée ou contenant 8 électrons. Conclusion. Pour qu'une espèce chimique monatomique soit stable, c'est-à-dire ne réagit pas avec son environnement, il faut que sa couche électronique externe soit saturée par 2 électrons pour Z inférieur à 5, règle de Dyé, par 8 électrons dans les autres cas, règle de l'octet. Oct, c'est 8 en latin. Donc, on appelle la règle de l'octet. Dyé, c'est 2. Bon, fin de cours, les exercices seront sur une autre vidéo.